Cassette, pour traiter un amant de cette façon, est le plus fidèle et affectueux de tous les amoureux. Il est embarrassant de ce qu'il a fait pour nous deux. Je lui montre toute tendresse possible. Je n'aime rien au monde plus d'eux. Je n'ai rien dans mes pensées mais elle. Et elle est d'autant mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je parle de rien, mais elle pense que de rien. Mais elle ne rêve que d'elle. Je ne vis que pour elle, mon battement de cœur, mais pour elle, et voici ma récompense pour tant de dévouement. Je suis 2 jours sans le voir, 2 jours qui me semblent siècles d'une longueur effrayante. Je vole à son des délices, et d'infidèle détourne les yeux, et passe par ma hâte, comme si elle ne m'avait jamais vu à personne de sa vie. Je ne peux que répéter la même histoire. Peut-on être contre Robert à la perfidie de l'ingrat Lucille? Et pour cela, monsieur le président, cette coquine de Nicole. Après tant de sacrifices passionnés, des soupirs et des vœux que j'ai payés à ces charmes. Après tant d'attention, nombreuses de soins et services que j'ai rendus, c'est dans la cuisine. Dans le tant de larmes que j'ai versé à ses pieds. Donc des seaux d'eau que j'ai fait pour elle du bien. Chaleur telle que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Il faut que cette perfidie mérite le plus grand châtiment. Cette trahison méritait 1000 coups. Ne vous aventurez pas à pallier ces torts devant moi. Ne craignez rien. Oh, ok. Non, car tout ce que je veux dire pour se défendre serait perdu sur moi. Quel rêve d'une telle chose? Je tiens à l'infirmière jusqu'à ma colère contre elle et de rompre tous les rapports sexuels avec elle. Je suis tout à fait disposé. Ce noble qui va à sa maison a tourné la tête sans doute. De triompher dans son inconstance, je ferai autant qu'elle vers un changement que je vois bien que désir, et je ne lui laisserai tout le plaisir de m'avoir rejeté. Vous êtes dans le droit, et j'entre dans tous vos sentiments. Il faut que tu aides moi dans mon ressentiment et l'appui de ma résolution contre le reste de l'amour qui pourrait encore plaider pour elle. Dites-moi, je vous prie, vous, tout le mal que vous pouvez penser d'elle. Dessinez une description de son personne qui peut la faire descendre dans ma estime et afin de me faire son aversion plus sûrement, de me montrer tous les défauts que vous pouviez voir en elle. Elle en effet, sire, un beau spécimen, un beau morceau de l'affection, d'être en amour avec. Je ne vaux rien d'elle. Mais les attractions les plus courantes et vous trouverez un millier de filles plus dignes de votre amour que lui est. Pour commencer, ses yeux sont petits. Oui. Oui, ses yeux sont petits, Robert. Mais ils sont pleins d'incendie. Le petit en plus, le plus peur de la recherche dans le monde et le tendre également que n'a plus être trouvé. Sa bouche est grande. Oui, mais vous trouverez charme que l'on trouve dans aucun autre. Elle n'est pas grande. Non, mais elle est bien en forme et gracieuse. Elle affecte un grand négligent dans son discours et ses mouvements. Il est vrai, mais elle est gracieuse dans tout ce qu'elle fait et ses manières sont attrayantes et possède un certain charme qui tient à la fois possession de son cœur. Comme pour l'esprit. Ah, Robert, son esprit est le plus raffiné, le plus délicat. Quand son, sa conversation? Sa conversation est charmante. Est-ce qu'il faut qu'elle soit toujours aussi grave? Préférez-vous une de ces femmes qui glousse de tout? Depuis ce compte-là, je vois très bien que vous êtes déterminé à aimer encore. Moi? Oh, je préfère mourir maintenant. Et je veux dire à l'avenir, elle sent autant que je l'aimais avant. Comment pouvez-vous si vous pensez qu'elle est pas...
parfait. De cette façon, et ma vengeance brillait. De cette façon, et la force de ma décision à elle sans être plus facile à comprendre. Si la pensée semble plus beau, plus charmant et plus aimable, j'ai encore une partie d'elle. Ici, en elle.